Et hop, voilà, bonjour à tous, bonjour Octarine, comment ça va? Peu chaud, un peu chaud. J'ai modifié là, par les musiques, ça sera plus le. Ben, la dernière fois, il y a, Blue Supernova qui m'a dit que c'est un peu soporifique les musiques, c'est vrai que je suis obligé par rapport aux questions de droit d'auteur, tout ça. Mais là, du coup, tant pis, je mettrai n'importe quelle musique et j'ai mis le truc comme quoi ça les replays et sur YouTube, bah, du coup, ça coupe en fait la musique. Ça garde que ma voix, la voix du jeu, tout ça et les alertes. Et voilà, on privilégie le live, ça va être mieux quand même. Parce que bon, même pour vous, avoir toujours la même musique. En plus, moi, comme j'écoutais une autre à côté, j'entendais pas la vôtre. Du coup, je sais même pas si c'est trop fort, si on n'entend pas ma voix ou des trucs genre. Ça va être mieux comme ça. Ça va être un peu mieux. Je fais mon Tsumegin. Ok, ouais. T'as peut-être l'appli comme moi. Hop. Moi, je fais tous les jours un petit peu sur Tsume GoPro. Je sais pas si tu fais sur ça. Quelques petites applis. J'ai Tsume GoPro. J'ai Guess the Move. Ah, il est pas mal celui-là. Je sais pas si tu connais. T'as quelques parties de pro et ils te mettent un point donné et ils te proposent plusieurs coordonnées. Entre A et H, et tu dois trouver quel est le coup à jouer. Je vais sur ça. Ah, je connais pas, je vais aller voir ça. Hop, je vais mettre ça de côté. Hop. Et je verrai plus tard. Tiens, je vais mettre sur ma note. Hop, nickel. Ça me fait un petit truc. Moi, c'est ouais, sur les portables, il y a Go Problème. Je crois que c'est ça. Non, Go Problème, c'est sur. C'est le site, il y a Go Problems, et sur le portable, t'as Tsume Go Pro et Guess the Move. Pourquoi je marque? Parce que bon, ça se crée comme ça s'entend. Mais ouais, c'est sympathique. C'est en chinois. Ouais, mais je. Il est nécessaire pour traduire ou. Hop, hop. Sinon, tu traduis avec. Ok, d'accord pour traduire. Ok. Ouais, mais avec Google Chrome, bof. Mais ouais, ok. Oui, ben. C'est un peu moyen de dire ça, mais bon, là, je suis sur Fox et. C'est pas très clair non plus, en vrai, quand tu connais pas. Donc, oui. Mais sur les sites. Moi, j'avais beaucoup regardé certains sites japonais aussi. Et c'est incompréhensible. Bien sûr, l'écriture, voilà, mais même, il y a des couleurs partout, ça part dans tous les sens, c'est. Oh. Est-ce que ma voix, ça va là, par contre, par rapport à la musique? Je pense que oui. Je peux même peut-être augmenter la musique, je sais pas. Oh, ça sert à rien de mettre trop trop fort non plus. C'est bien comme ça, en fait. Qu'est-ce que je vais mettre comme musique derrière? Parce que là, c'est la musique bretonne. Tac, tac, tac. On va trouver un truc qui serait bien pour pas trop toucher pendant 36 fois. Hop, hop. Alors. Tac. Tiens, tu. Voilà. R.I.M. C'est cool ça. Peut-être un tout petit peu fort. Voilà, là c'est bien je pense. Et on va regarder la musique. Le jeu. Tac tac tac. Donc 5 minutes, 3 fois 30 secondes, c'est bien je pense. Hein. On aimait bien ça la dernière fois. 30 secondes pour jouer un coup, c'est bien. Même en Yossé, tout ça, même pendant le combat. On va lancer ça. Et ça trouve direct, nickel. Hop là. Et je suis blanc. Ok. Je vous rajoute ça. Et le dernier coup joué.
Il est peut-être pas là. Ouais. Au bout de 30 secondes, ça annule. D'accord, je savais pas ça. Bon, on va relancer. Et je suis noir cette fois. Alors, ok. On va faire comme ça. On va prendre le coin. J'aime bien de prendre cette position quand l'adversaire a deux Oshi comme ça, quand il est blanc. Je suis noir, j'ai fait un Komoku. C'est agréable parce que très souvent il va se concentrer sur un bord. Ah, s'il me donne le. Ouais, non. Ça aurait été bizarre de me donner le Ponuki en face de mon coup. Du coup, il fait l'ancien Joseki, ok. Juste une fois là encore. Et on vient déranger par ici. Hop. Normalement, s'il respecte les trucs, il me pousse vers sa force. S'il joue de ce côté, en fait, il va se retrouver très rapidement un peu surconcentré. Ça fera beaucoup d'investissements pour pas trop de pierres. Ce coup, j'ai eu du mal au début à rajouter quelque chose. Je lui disais, mince, si on peut faire ça tout le temps, c'est facile et tout. Mais en fait, ça lui retire, par exemple, si à un moment il y a une attaque ici, il peut jouer Q18, je protège en R18, et il n'y a plus les intersections. Et revient en scorpion, en fait, derrière, en haut 18. Et du coup, ça menace à la fois d'attaquer le petit groupe là, s'il y avait un combat, et de revenir ici pour retirer la vie. Là, il se le retire tout seul, et du coup, j'ai le coin, et j'ai plus besoin de regarder. En fait, ça paraît lent pour moi, mais j'ai plus besoin de regarder ça au moins. Donc, c'est agréable. Et en soi, bon, ça n'a pas fait grand-chose. Hein. Du coup, il me pousse vers sa force. Logique. En plus, ça attaque pas plus que ça, là, son P18. Je suis assez loin. C'est pour ça que je viens en I17 et pas en J17. Parce que si j'étais un cran plus proche, c'est dur de venir trop proche de la force. D'accord. Il vise la gueule de tigre comme ça, tac, et il revient là. Je fais Atari. Tac. Et je connecte d'une manière ou d'une autre. C'est pas très bon pour lui s'il fait ça. Donc il monterait. Il n'y a pas grand chose en plus. C'est pas très bon parce que là il fait une force. Donc il prend la force sur l'extérieur. Et finalement, il l'a plus. Il n'a plus cette force sur l'extérieur. Le chichot il a moi. Donc ces pierres-là, elles servent à. Enfin, maintenant elles servent en force de combat, mais pas très utile, je pense. Je pense que je peux même faire ça. Ça protège un tout petit peu du pip en L15. Et on voit tout de suite, ben, c'est pas agréable pour blanc, quoi. J'ai pris le coin et j'ai l'influence. Pas très agréable, mais autant connecter tout de suite, parce que là il me coupe, là il peut me couper. On va pas faire l'idiot. Manière c'est assez dur d'attaquer cette pierre là. C'est passé. Ok. Donc si je joue ici il me coupe. C'est pas un peu risqué, parce que si je viens là, il coupe. Mais si je viens là ensuite. Ah, il peut aller ici. Je descends, il coupe. Je mets en Atari et tac. Tac, tac. Donc peut-être d'abord faire cette séquence Atari. Tac. Je connecte ici, j'ai. Bah, il connecte sûrement. Du coup, j'ai trois libertés.
Et à la fois, la vie est menacée ici, donc il peut pas tout faire. Je pense que c'est pas si mal. J'espère que ma lecture est bonne. Là, Atari, il connecte, il a 3 libertés, je connecte. Il connecte sûrement ses pierres. Ouais, du coup, il veut pas. Et du coup, son coup a plus trop de sens, parce que ça fait Kema déchiré avec... ouais, ici. Pas le droit de couper. Hein. Quoique. Si je coupe. Il me coupe. Et je viens ici. Il a plus que 2 libertés. Donc il doit prendre. Ou descendre. Mais je descends. Il doit prendre. Tac. Il prend et je prends toutes ses pierres en fait. Mais il prend une belle influence. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça semble gros. Mais en même temps, il prend, il ferme là et il a un truc vers là, très sûr. Et si je fais ça, il connecte, je pousse. En même temps, non, c'est cool, ça valide quand même pas mal. On va tenter ça. Ah ouais, là il coupe du coup. Ou alors il essaie de vivre sur place du coup. Et s'il essaie de vivre sur place, j'ai obtenu la coupe. Et du coup ici ça créerait 2 groupes faibles et il faudrait faire encore faire la vie ici. C'est intéressant. Atari. Et du coup, il veut couper maintenant après. Et je vais là. Est-ce que j'ai droit de venir ici tout de suite? C'est ça la question. Si je viens là tout de suite, il fait ça. On protège là. Atari, tac. C'est un peu risqué quand même. C'est un peu risqué. On va plutôt faire ça. On connecte maintenant. Et quand il vient ici, on sait que c'est vivant. Parce que je pousse là. Et ça fait pas d'œil là. Et je suis vivant ici. Un œil là, un œil là. Ou alors s'il joue là, je vais là, il y a un œil là, un œil là. Donc ça va. Maintenant, il doit encore vivre ici et il aura 2 groupes séparés. Donc, même si j'ai perdu quelques points ici, c'est très très fort, je pense. Quoi? Sa descente n'est pas santé. Parce que s'il joue là ensuite, je capture. Donc, la descente, c'est pas santé. Il faut vivre, hein. Je dois faire attention, par contre, je suis en BEMI. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas forcément mis le son pour vous aussi du jeu. Ouais, non, vous n'entendez pas le son du jeu. Hop. C'est mieux comme ça. Augmenter un tout petit peu le son de Ox. Alors, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Tac, 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 il a 4. Ok. Ça a l'air vivant. Ouais, ça a l'air vivant. Ok. Est-ce qu'on coupe ici? Est-ce qu'on vient là?
pense qu'on va venir par ici. Le but, c'est de faire des points quand même. S'il s'installe trop facilement sur le bord, il lâche juste ses trois pierres, j'ai rien de spécial. Donc il faut construire quelque chose en attaquant. On va pas toucher à ça, parce que... ça peut faire des menaces de coups, n'importe quoi, donc c'est cool. Ici, ça menace de faire une belle forme, c'est chiant. Musique superbe, merci, je trouve aussi. Bienvenue à toi, Zanga1. Bienvenue, bienvenue, je vois que c'est ton premier message. Est-ce que ça marche, ça? Il y a même la coupe ici qui est pas si mal, mais d'abord il faut peut-être protéger un peu ça. On va d'abord protéger sa forme. La forme ici elle est très cool. Et la gueule de tigre plus une forme un peu là de prise de chichot, c'est cool. Et j'ai encore la forme ici, là maintenant j'ai touché sa pierre donc il doit rajouter un coup, ouais. On va couper, hein. Je vois pas trop ce qui nous empêche. De toute manière, là, je suis un petit peu en avance grâce à l'attaque, je trouve. J'ai plus de potentiel dans la partie, je pense. C'est dur pour lui d'attaquer ce groupe, en vrai. Il fait ça. Oui, tac. Ouais, j'ai le droit de faire ça. Hein. J'ai le droit de faire ceci. Comme ça, le chichot ne marche pas. Et on peut regarder ailleurs. Comme la coupe ici, qui commence à être sévère. Bon, on va la faire tout de suite. Et sinon, il y a celle-ci. Après c'est dur d'attaquer en vrai. On va d'abord couper là. On va voir ce qui se passe. Parce que ça attaque à la fois ça. Et il y a la connexion ici qui est quand même forte. Hein. Il veut tout sauver. Ça va être dur de tout sauver. Il devrait peut-être lâcher du lac. Je sais que c'est dur de laisser des pierres, mais là il pourra pas tout sauver, quoi. C'est un hobby ici. Déjà, c'est très fort. On voit que la zone ici, elle commence à être très difficile. Rien qu'un coup ici, même pour moi. Lui, c'est pas synthé. Moi, c'est pas synthé non plus, mais c'est immense. Faut que je fasse attention, par contre j'ai plus que deux périodes alors que lui il n'est pas encore dans le biomi. Ok. On va juste aller là, je pense. Même si ça lui laisse une belle forme ici. Ouais, c'est pas fou en fait. Ça lui laisse une très belle forme ici. Par contre, maintenant l'Atari là devient très sympa. Ouais, l'Atari ici se réveille vachement. Je vais dedans. Je fais Atari, je connecte, il connecte et je continue. Même s'il me coupe, il serait goté pour la coupe. Et du coup, je continue et c'est infernal, quoi, en fait. Ouais, bon déjà je peux faire ça, parce que ça serait douloureux pour moi le la gueule de tigre au-dessus de mes deux pierres. La tête de deux pierres serait douloureux, je trouve. Ça lui ferait une belle forme et il retirerait de mon potentiel. Je peux pas couper tout de suite. S'il coupe, je fais Atari là, tac, et du coup je capture tout. Donc il est obligé de connecter là. Et j'ai ça en fait, tout simplement pour assurer mes arrières. Maintenant, il va peut-être lâcher ces pierres là. Il faut connecter ici quelque chose. Il est trop gourmand. Il peut pas tout sauver.
Ça va être très très dur pour lui, je pense. C'est chiant les 4 pierres, mais c'est 4 pierres quoi en soi. T'essaies de faire une jolie fin avec ça et après tu joues ailleurs, je sais pas. Après je comprends, c'est des pierres de coupe, mais non. Le chichot ne marche pas toujours, donc ça va. Donc on sépare. Enfin, on sait pas. On sort aussi, tout simplement. Sinon, c'est moi qui meurs. Après, c'est quoi? C'est la petite technique du dentifrice, là. Trois groupes faibles, mais t'es celui du milieu. Il y en a deux, un à gauche, un à droite. T'es tranquille. Il vient ici. On va peut-être sortir quand même, même si on a envie de rajouter un coup ici. Il peut pas faire un nez, je coupe direct. Surtout si j'ai une pierre solide. Là, on essaie de. Voilà, on dit on est sorti. Maintenant, démerde-toi avec tes trucs. Ça m'arrange s'il perd une période tout de suite pour revenir à égalité avec moi. Ok, nickel. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai besoin de ces pierres? Est-ce qu'on reviendrait pas plus tard tout simplement à ça? Et on fait Atari ici, tout simplement. Atari. Année. C'est gros, hein, mais c'est plus gros d'attaquer tout ça. Je crois que c'est un peu risqué ce qu'il a fait, parce que j'ai beaucoup de liberté ici. Donc si je me fais couper, c'est pas grave. Mais ici, là, cette forme-là, ça me rappelle la forme de la fleur, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il peut sortir si je joue J9? Parce que lui, il n'a pas beaucoup de liberté pour le coup. On va d'abord faire ça. Sachant qu'en plus, s'il rajoute un coup maintenant. Et au pire, s'il se tente de sortir un peu, et ouais, c'est dur. Hein. C'est dur pour lui. Encore la connexion ici. Le problème c'est que quand il fait ça, je fais Atari une fois ici, tac, j'ai plus que de liberté certes, mais je fais Atari là, tac, Atari, il ressort, et je sors. Ouais, c'est compliqué pour lui. Le but encore c'est d'attaquer les deux en même temps en fait. S'il coupe ici, je peux faire l'Atari d'abord là. Il connecte. Je viens ici. Et en fait, non, j'ai trois libertés. Et je capture tout simplement avant. J'ai pas besoin de m'embêter avec tous les Atari et tout. On laissera la J de ses pierres. Je capture. J'allais me compliquer la tâche. Je pense qu'il pouvait rien faire. Bon, cool. Et il propose une suivante. Bon, vas-y, en go. Ok, cette fois je suis blanc. Ok, le Sun Run. Po 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 po.
On prend un coin pour changer. On va essayer de, si possible, de faire la strat des trois coins. C'est intéressant parce que on va le laisser sur un seul bord. Je sais pas si je fais le Tsen-Tsen. Il y a la technique aussi, faire le Tsen-Tsen, on a la même séquence et après je viens par là. Et c'est combat de Moyo, tout ça. Mais je fais ça à chaque fois. On va plutôt dire ah, tu veux absolument ce bord, mais je te concentre sur ce bord en fait. Je crois que c'est ça maintenant le Joseki. Il vient là, je viens ici, il connecte et je fais une gueule de tigre. Le nouveau Joseki, c'est ça. Il connecte et je fais une gueule de tigre. Ok. Donc j'avais regardé une vidéo sur les variations, mais je les ai oubliées parce que ça fait quelques semaines. Si je fais ça. Ouais, là du coup j'ai le droit de faire ça en premier. Ah, du coup on connecte. On est en train d'inventer un truc là. Et là ça fait 2 points Miyai, Q16. C'est très gros. Et la capture de cette pierre. Parce que voyez ici au max il descend. J'ai 4 libertés. Oula. On va peut-être pas laisser un Ponuki quand même. J'ai pas le chichou. Hein. Ah, c'est compliqué là. Je sais pas si j'ai raison de faire ça. Ah, il complique vachement la situation. Je vais faire ça. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour noir. Et là, je peux prendre ça. Tac, tac, tac. Il a trois libertés. S'il descend là, je vais là. Et ici, je vais là. Il fait ça. Tac. C'est bon pour moi. Ok. Et du coup, si je me fais pas capturer ces pierres et qu'en plus je prends un gros coin, il a des faiblesses sur cette forme, c'est compliqué pour lui. Il a un groupe ici qui n'est pas vivant, donc il me pousse vers l'extérieur, ce qu'il veut développer, donc normalement ça va. Ici, ouais, R19, je viens ici, et même s'il fait cette forme, ça serait une erreur pour moi de connecter, je me retire une liberté tout seul. Donc, je retire une liberté, il me prend cette pierre, c'est pas grave, et je capture, à la course de liberté, je gagne du liberté. Ok. Donc il veut toujours cette idée. Normalement ce Geekta ne marche pas. Ce qu'il veut aussi, c'est que je sorte par ici. Comme ça, quand je fais l'Atari là, finalement, il vient ici, il sacrifie un Ponuki là pour moi. Mais du coup, comme ça, il peut capturer ses pierres et ses captures tout ça. Donc il faut que je sorte de ce côté. Sinon, c'est. Je peux pas me permettre de jouer par là. Donc je fais ça. Tac, tac. Je fais ça. C'est pas beau.
Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux faire. Et s'il force, l'Atari, je monte, et je vais quand même vers la zone qu'il voulait développer. Donc c'est tout de même pas bon pour lui. Il développe quelque chose ici, mais c'est pas grave. On peut pas tout avoir. Puis j'ai encore la sortie en H17. D'ailleurs, je disais, il faut jamais forcer une deuxième fois comme ça. Ça retire beaucoup de possibilités en fait. Autant garder, ça me laisse des coups comme H14, quelque chose du genre, qui menace à la fois de faire après. S'il capture, ça refait l'Atari derrière. S'il sort ici, ça me laisse la connexion là, etc. Donc, un Atari, pourquoi pas. Pousser un deuxième, ça sert pas à grand-chose. Est-ce que j'ai le droit de faire le saut? Ouais, je pense. Ça a l'air d'aller. Même s'il fait ça, je peux connecter ici ou même aller là. Ouais. Salut Kinou. Ça va et toi? Ça va, ça va. On a joué contre la même personne la première partie. Ça s'est plutôt très bien passé. Et là, il tente. Bah, j'avais noir à la première. Là, il tente la technique du Sanrensen. Mais on voit qu'il est très attaché à chacune de ses pierres. Et du coup, il a du mal dans un combat. Voilà, là, il a beaucoup de mal. Du coup, il faut être patient. Et ça se passe bien en général. La première s'est bien passée. La deuxième, là, pour l'instant, se passe bien. C'est j'ai le coin. Il voulait développer ce bord, c'est ça se passe pas très bien. On sort ici, à n'importe quel moment on peut aller en H17. Et on pourrait faire même ce coup en fait, tout simplement. Il est pas mal. Capture, on met là, il a un gros pâté. Je sais pas. Ou alors on vient là. S'il fait l'année, Atari. Tac. Atari, tac. Si on connecte là. Non. On pourra peut-être pas capturer ces pierres. Donc. Autant faire un truc de forme ici. C'est pas grave s'il a des points. Faut bien qu'il. Voilà, c'est un jeu de partage. Ici, là, je menace de sortir à la fois ici et de prolonger par là, ce qui est chiant. Après, tous ces coups ici seront sentés. Faut qu'il fasse attention, hein. Même l'Atari ici. Je pousse là. Après, moi aussi, je dois faire attention, hein, aux suites de trucs comme ça. Mais pour l'instant, il peut pas faire le truc de M13. Je capture. Et il peut pas venir mettre Atari là, parce qu'avec cette capture, ça passe pas. Et là, moi, l'Atari. Tac. On le pousse ici. On sort là. Et là, c'est un peu la cata, puisque s'il pousse là, je ressors là. Ça menace le chichot de ce côté. Je sais pas si c'est le bon timing ou pas pour le faire, les trucs. Parce que si je me foire, ça le renforce vachement, quoi. Ça va très bien? Ok, nickel. Ouais, sacré combat là. Ouais, si, je pense que j'ai le droit. J'ai l'impression quand même, ça a l'air très compliqué pour lui de faire quelque chose entre tous les groupes qu'il y a. On pousse une fois ici. On va pas pousser une deuxième. On le garde pour plus tard au cas où lui-même nous pousse, en fait, tout simplement. Et on sort là. Ça menace plein de chichots. S'il nous pousse une fois là et qu'après il protège en prenant. Bah, il y a chichot là. Et il a capture de toutes ses pierres. S'il sort ici, il y a chichot ici. Il y a trop de groupes pour attaquer, c'est trop agressif en fait.
Je vais finir mon café qui soit froid. Ok. Si je fais le guetta ici, tac, je protège Atari. Atari, tac, et quand il fait l'Atari vers là, je sors. Il continue, et on fait Atari là, tac, on bouche. Faire Atari, tac, Atari, tac. Oh, merde! Aïe, aïe, aïe. C'est con. Ah, attends, ouais. Game analysis. Ah, je pense que là, je fais le con. Hein. Je dois la gagner. On va juste vérifier. J'ai le droit de faire ça. Hein. Hop, 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 hop. S'il pousse encore une fois. On pousse là. On vient là. Il fait Atari. C'est ce que j'étais en train de lire. Ouais, c'était bon. C'était bon et c'était fini. Ah zut, ce que j'étais en train de lire. Fait chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ça marchait, hein. Je vois pas d'autres possibilités. Parce que ici, en fait, mince. S'il pousse une deuxième fois, il est obligé de rajouter un coup et c'est fini. Donc jamais il pousse une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Si à n'importe quel moment il fait ça, c'est ça. Pareil pour ça. Donc l'Atari est forcé. Ici, même histoire. Et l'autre aussi. Donc Atari forcé. Et quand il monte, je peux même peut-être faire ça tout de suite. Non. Non, je peux pas faire ça tout de suite. Je dois d'abord faire ça. Du coup, s'il sort, on prend ça et. C'est dur pour lui. Parce que même ses pierres 6, je suis pas sûr qu'il puisse les prendre. Hop. Donc au max, il aura. Plus tard, il aura ça, quoi. C'est bien, hein, mais bon, voilà. Et il a encore un groupe faible, etc., etc. Ça, c'est pas. Voilà. Ok. Bon. C'est dommage quand même, mais bon. Faut que je fasse plus attention au temps, je perds très souvent par le temps quand même. C'est bête. C'est bête, c'est bête. Ça donne quoi les stats d'ailleurs? Il faut que je gagne 12 fois pour passer 4ème dan. Il faut que je perde 6 fois pour passer 2ème dan. Ok. Bon. C'est dommage parce que là ça se passe bien les parties aujourd'hui, donc enfin, les deux. Après c'était le même adversaire à chaque fois, donc à voir. Hop, je relance une petite partie. On va jouer ici. Je remets les coordonnées. Ok, c'est bizarre. Comme il joue haut, on va approcher haut, je pense quand même. Gagner un peu de puissance sur l'extérieur. C'est vachement loin. Bon, on verra plus tard. On va pas foncer comme un bourrin. Ok. Ouais. Je suis pas très fan, moi, des strats où tu restes sur un bord comme ça, au début. Bon, c'est l'influence que je veux, hein, donc même s'il passe dessous, c'est pas grave. On va encore continuer à attaquer un peu. Il monte. On vient en F4. Je sais pas si c'était le meilleur endroit pour. En plus, ouais, si c'est pas pour attaquer, c'est bizarre. Si c'était pour attaquer, venir à l'intérieur, pourquoi pas. Mais là. Là, c'est bizarre. Il
Les deux pierres face à deux pierres comme ça, c'est pas très beau. Presque envie de prendre le tournant ici. Plus de la force extérieure que je veux avec ça, et quand je vois ce qu'il y a en face. De toute façon, je sais qu'il va vivre là, tac, tac. Et moi, ça me laisse des faiblesses de toute façon en plus sur mon truc. On va plutôt tourner. On va plutôt tourner. Ok. Et on vient là. Ça menace un coup en B7. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou par ici pour y pas de mal. On aimerait bien que ça soit fermé par ici. On va essayer de fermer un peu. Et s'il vient dedans, on fait un kéma ici. Ok. Bon, c'est. De toute façon, on joue 4ème ligne. Je suis pas sûr qu'on ait envie du coin pour l'instant. Salut Goshi, ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va approcher par là, je pense. Développer un peu tout ça. Hop. Quelle prestation de qualité sur le Goban? D'ailleurs, on va mettre le dernier coup. Ok, cette fois j'ai peut-être envie de jouer là à l'ancienne parce que c'est l'extérieur qui m'intéresse. C'est dur de trouver des nouveaux jeux de mots avec Braze. T'inquiète, t'inquiète. Je pourrais changer les pseudos si tu veux, comme ça. Ouais, je me suis retiré la possibilité de venir en K16 parce qu'il me faut les deux chichos. Zut. C'était pas très bon forcément d'approcher comme ça, j'aurais peut-être dû inviter. Tant pis. Il y aura forcément quelque chose à exploiter ici, il a joué très loin là. Tac tac tac. Un peu bête, ouais, j'ai abandonné un peu cette influence pour l'instant. On va peut-être faire un boshi par là. Du coup, ici, ça vaut peut-être le coup de s'emplan de prendre le coin. Arriver là. De toute manière, ici il n'a pas le chichot, donc c'est moins grave là, pour cette pierre. Ah bon, bah on était tous d'accord au moins, je pense. Ouais, c'est en plus, j'en ai pas vraiment de coin. S'il les a tous, ça commence à être compliqué. Ouais, il les veut en plus. Alors que si j'avais approché en Q16, il serait venu au Sansan pour empêcher, par exemple. Là, j'aurais pas pu jouer le jeu aussi loin, donc ouais, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup là. Par contre, il pousse ici, et du coup, c'est. Bon, c'est combat d'influence, quoi. Oula, il veut rapidement ça. Ok. Bon, bah, on rajoute ce coup, ça, c'est gratos, je pense. Tac, tac, tac. Alors, je pense que c'est très gros de tourner ici, parce que c'est à la limite des deux zones d'influence. Voire un kéma. Mais le kéma invite à la coupe. Oh, qui fait pas grand-chose en soi. C'est bien le kéma, c'est plus actif. On va faire ça. Normalement, il approche comme ça, d'accord. Marrant de venir de ce côté. Je pense que j'aurais été haut, ou alors j'aurais collé en P4. Ok,
qui m'a déchiré, c'est mieux. Bon. Qui m'a déchiré, contrôlé. Toujours. Je sais qu'on dit pousser vers la force. Mais c'est quand même tentant de retirer la base de vie, non? Non, en vrai, on va faire ça. On va pousser. S'il vit dans le coin, tant mieux, mais on construit quelque chose ici. Faut être logique avec les pierres. Ah, la musique s'est arrêtée. Ok, en plein milieu. Ok. Ok. Transforme ça en Josekir un peu classique. On va par là. La coupe. Oh. On protège. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? S'il coupe. Atari, il s'en va, on continue. Ouais, je crois que j'ai droit, hein. Le timing ça va, il doit répondre une fois et après je pourrais protéger quelque chose. Je peux même répondre par là en fait. Allez. L'Anjou est gourmand. Hop. Alors, comment on fait notre compte ici? On va ici pour retirer les possibilités d'œil ici. On vient là. Ici. Ok. Est-ce qu'on recule une fois? Non, autant être solide. On a le droit de venir une fois ici. S'il pousse là, on peut couper. Tac, tac, c'est coupé. Mais s'il fait le bambou, on connecte. Et quand il pousse, on va là. Il empêche Atari, tac, Atari, tac. Non, c'est compliqué. Du coup, on va plutôt venir ici. Faire le coup de forme un peu. On bloque là. C'est sympa, j'étais en train de me dire comment je vais faire pour protéger cette coupe et tout. Il vient la protéger lui-même. Marrant qu'il n'ait pas pensé à la coupe ici d'abord. Je dois rajouter un coup ici. Bon, s'il coupe, on joue là. On joue là d'abord. Et
en vrai. On va protéger notre coupe, hein, parce que ça a l'air risqué. S'il coupe, ça va se transformer en vieux Semaï, là. On connecte. De toute façon, on a des pierres ici qui aident. Ah, bah, c'est un peu tard, du coup. S'il rajoute un coup par là, on s'en fiche. On jouera là. C'est ça qui est important. Ok. Ici, tac, tac, tac. On vient ici. Ok. Qu'est-ce que il me reste comme temps? 3 fois 30 secondes. Il faut que je fasse attention quand même. Pas si facile à tuer. Ici, c'est impossible de faire un œil. Donc, il faut regarder là. À n'importe quel moment, quand je joue ici, il n'y a pas d'œil là, c'est un faux œil. Ok. Si je viens là, parce que ça peut aussi se faire attaquer. Si je viens ici, il tente de connecter. Je viens là. S'il vient là, je peux aller directement ici. S'il vient là, ça fait Atari. Il pousse là, je vais là. Atari, tac, Atari, tac, Atari. Je prolonge. Et après, quand il vient par là, je fais Nobi, quoi. On connecte. Qu'est-ce qu'il a vu ici? Oh, mais je me fais capturer mes pierres, je suis con. Ah non, mais attends, je me faisais pas capturer mes pierres. J'allais là, continuer, j'allais là, s'il continue. Je me faisais capturer mes pierres, non? J'ai fait une connerie. Hein. S'il me coupe ici. Est-ce que c'est si grave? Je joue par là et je suis vivant ici, et ici ça va être très dur pour lui de faire quelque chose. Donc je joue là. Non, là d'abord, pour menacer la coupe. Et ensuite je peux jouer là. Tu lui as. S'il pousse dedans, tac. Ça risque pas grand chose, c'est cool. Au pire, on perd cette pierre, je crois. Et ici, tac. Je viens ici. S'il coupe, ça marche pas. S'il connecte. Non, s'il vient là, je viens là en fait. Ça menace de capturer les pierres. Donc il doit protéger ses pierres et je capture cette pierre. Ok. Donc maintenant, je viens ici. Et du coup, il n'y a qu'un œil. C'est ça, non? Ça a l'air en tout cas. Il n'y a pas d'œil ici. Du coup, il espère l'Atari ici. Mais s'il fait Atari là, je protège ici. Et quand il capture, je connecte. Ouais, d'accord. Donc il vient là d'abord. Il tente des mouvements un peu fourbes. Si je viens là, qui fait Atari ici, je connecte, il passe au-dessous et on protège ici. On vient là, et s'il vient tout de suite en S3, on protège en L1 en fait. Parce qu'on s'en fiche de perdre cette pierre. Alors que s'il vient là, on peut connecter parce qu'il doit toujours passer au-dessous.
Et après, on viendra là. Et s'il vient en L1, on capture cette pierre. Bon, là, j'ai droit. De toute façon, il faut. Mais là, il y a deux points Miyai, en fait, en quelque sorte. Ok. S'il coupe, je joue en Obi ici. Comme ça, s'il continue à essayer de capturer ses pierres, j'avance ici. Il pourra pas. Ok. Tari. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut absolument protéger de ce côté. En vrai, ça, c'est bien. Il reste une coupe ici, par exemple, mais du coup, je connecte en dur là. Et s'il coupe là, je connecte en dur là. Et c'est ceux de pierre, voilà. Il faut juste jouer Nobby ici, en fait. Faut pas qu'il fasse un deuil dans ce truc, mais ça a l'air d'aller. Ok. Mais si je recule ici. Ça fait pas d'œil là. Il voulait que je capture et faire son deuxième œil ici. Ça marche pas. Nobby. On fait Nobby jusqu'au bout, on s'en fiche. Est-ce que j'ai besoin de. Bah si. Est-ce que j'ai besoin? Oui, c'est bien pour tuer. Il vise la coupe ici. Donc si je continue qu'il coupe, Atari, tac, Atari, tac, Atari, tac. Ah, il veut la coupe. Je peux encore une fois. Par contre, s'il repousse, Atari, tac, Atari, tac, Atari, tac. Là, il faudra que je pousse. Ok, je peux encore une seule fois. Ok, ça, on a dit. Si je connecte et qu'il connecte ici, quand je fais ça, en fait, je suis mort. Donc, je dois capturer la pierre. Et s'il capture, c'est un faux œil encore une fois. Yes, c'est bon. Allez, on accepte, ouais, allez, hop. On accepte, et je suis noir cette fois. Je peux te... Non, je prendrai du café après celle-là, je pense. Un petit Gomoku. Ah, c'est pareil que la première, mais du coup, on va changer. Est-ce qu'on fait un Shimari tout de suite, ou on approche? On va approcher, on va approcher. Là, il y a plein de choix. Qu'on va approcher ici. On le concentre encore une fois sur un bord pour voir. On l'incite un peu à pincer. Ok. Il ignore. Le bord haut c'est assez plat, donc c'est pas trop trop important. On va répondre là. Petite strat un peu des deux bords par exemple. C'est l'ancien Joseki. Ça joue beaucoup ce Joseki là sur, sur Fox. Ça pourrait presque être intéressant de faire le. 3, je me demande. Connect, je vais là, des petits trucs par rapport à cette pierre, je sais pas. Ou alors pincer direct. Mais en soi, même le Joseki normal, hein, il joue là. Ça met pas de pression sur cette pierre, donc c'est cool. Donc je récupère les santé, ça peut être sympa aussi, tout simplement.
pour faire une double approche par ici, ou reculer en Kobayashi, ou prendre le coin. Plusieurs choix là. Prendre le Sansan. Ça peut être une option. J'ai pas l'habitude de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre à ce truc? Si je viens ici tout de suite, il vient là, tac, il met Atari, tac, protège. Mais je sais pas s'il aime beaucoup être enfermé. Je sais pas quoi répondre à ça. Il veut se développer en faisant ça, puis ça par exemple. Est-ce que ce coup par exemple marcherait bien? On va venir ici pour voir. Salut Nunu Rouen. C'est breton? Salut à toi. Et il revient sur ce jet ski. Ok, bon, on prend le coin. Non? Dommage. Oh, dommage. Hop. Bien joué à toi en tout cas. Du coup, le jet ski classique. On vient ici, il joue là. Ah, celui-là, il le joue en normal, ok. Et on vient là. Non, il a commencé à jouer troisième ligne sur ce bord. Finalement, non. Ok. Il attaque. Il va attaquer là. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les groupes faibles d'abord. Est-ce qu'on va jusque-là? Je sais pas. Est-ce qu'on fait tranquille? Ou pas? On va faire tranquille. Pas s'approcher trop de sa force. Et là, il approche le coin. Oui, il met de la pression sur ses pierres, je sais pas. Non, il approche le coin, ok. Le compte des coins, on est comment? Un chacun, une moitié chacun. Après, j'ai fait une force ici, donc ça peut être intéressant de pincer. On va passer. Hop. Alors, un peu loin quand même, parce que ici en montant il y a la force blanche. Ok. On va se séparer. Il me reste combien de temps? 18 secondes. Ok. Il vient là. Ah, d'abord, je joue dessous, lui retire un peu la base de vie. Et il monte, tout simplement. On vient ici. On se construit quand même quelque chose de sympathique. Et il enferme. Ok. Agressif. Tac, tac, tac.
Ouais, peut-être que j'aurais dû rajouter un coup ici avant de jouer là, je sais pas. On va jouer là d'abord. Ça menace passer au-dessous. Et ensuite on peut jouer par là. À moins que ça aussi, tac. Il joue là. Non, c'est pas très beau. On va défendre. Mais j'aurais pas dû me laisser enfermer comme ça. J'ai fait une erreur là. Merci pour le follow, Chronometrix. Bienvenue à toi. Ici c'est bizarre, la forme que je fais. Hop. Ok. Année. Double année. Alors ça, c'était une erreur de sa part, je pense. C'est un peu risqué. Maintenant, j'ai des trucs par là, non? Salut, salut, salut. Hop, et si on vient là, ça menace de couper et à la fois de faire le double atterri ici. Est-ce que j'ai le droit de monter? Je fais atterri, tac. On remonte, tac. J'ai le droit de monter, j'ai l'impression. Le chichot ne marche pas et j'arrive sur cette pierre. Bon, on n'est pas d'accord. Bon, à qui c'est. Est-ce que je sais pas lire un chichot? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et il le vérifie que maintenant. Si ça, c'est pas très bon s'il le vérifie que maintenant. Ouais. Je changerai un peu de musique aussi. Là, c'est R.I.M. depuis le début. Même si j'aime beaucoup, hein, mais changer un peu d'ambiance. Ah, ça marche pas le chichot. Hein. Ça ne marche pas. Noir, 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 noir. Ouais, c'est bon pour moi. Tant mieux. De toute façon, sinon j'aurais fait le double atterri. Attends, je me trompe? Non mais non mais. Ok. Ok. Ça a joué du coup. Après, il a une belle zone ici en soi. Peut-être que ça peut faire quelque chose. Il détruit un peu la mienne, même si je prends ça. Et du coup, j'ai la possibilité de venir moi. Bof, désolé, je suis pas très fan. J'écoute beaucoup de musique des années 80. Plutôt. J'aime beaucoup même tout ce qui est New Wave, tout ça. Ok, on gagne, super. Ouais, on fait une dernière là avant la pause café.
Enfin, ravitaillement, on va dire. Hop. Et je suis blanc cette fois. Ok, cool. On va aller en face et on va laisser choisir un peu le déroulé. Ok, comme ça. Et on fait un comme ça. Rolling Stones, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Hard Rock. Ah, c'est. Mais il l'a déjà fait tout à l'heure? Ou alors c'était un autre. Non, c'était l'autre qui avait fait ça tout à l'heure? On va venir prendre le second d'abord. Ouais, on peut mettre le Rollings. C'est bon choix. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cette fois? Parce qu'il a bien vu, je pense, à chaque partie, il se laisse faire sur un bord et ça suffit pas, quoi. Oh, pas de soucis, hein, t'inquiète. Sauf que ce Joseki, il faut qu'il finisse Sente. Non, il faut arrêter ça en fait. Il faut jouer juste le P15. Comme ça, il finit Sente et après, il se fait un truc comme ça ou il vient prendre un coin. Le année, normalement, c'est juste pour faire le double année maintenant. Ok, je tente d'autres choses du coup, mais. Problème, c'est que. Ici, il laisse le année là. Et quand tu veux faire l'influence, c'est. Je sais pas, c'est pas fou. En fait, je construis une force aussi, presque aussi grande que lui ici. Après, lui, il a une pierre de plus, donc c'est normal que ce soit un peu plus puissant, mais ça vaut pas le coup. Il y a encore des points d'invasion en plus. Rien que des points par ici même qui gênent la coupe ou n'importe quoi. Ouais, rien qu'un coup comme ça gêne la coupe et après je joue là. Comme ça donne même un coup ou n'importe quoi, un peu chiant. On va protéger un peu ici. Pour l'instant, c'est zone contre zone. On va venir direct là. On va venir dans le coin. J'ai hésité avec reculer. Mais le faire jouer un peu sur la troisième ligne ici, c'est oh bon, c'est pas mal parce qu'il voulait cette zone. Donc. Je pense pas que ce soit mécontent là, comme ça aussi. Ça facilite encore une fois l'approche ici. Ça isolerait ces deux pierres, donc c'est pas mal. Ok, c'est qu'une pierre, c'est pas grave. Redescend tout simple. Et on fait l'influence face à son mur, face à son petit moyau là. Donc c'est pas si mal. Et ici, il fait pas vraiment de points, ça va. C'est assez petit. Salut Mathieu. Ici, qu'est-ce qu'il veut faire? On va jouer comme ça. Ok. On est assez costaud de ce côté, on va se permettre de faire ça, même si ça crée la faiblesse en Q8 quand même. Enfin, en Q5. Ok. Est-ce qu'on vient là tout de suite? Il pourrait. Ouais. On va tout simplement développer un peu ça et ça protège encore plus la faiblesse ici. Ça met un petit peu de pression sur ses pierres. Il aura peut-être envie de rajouter un coup ou pas. Année. On va séparer.
Il est jaloux. Il est jaloux, il est jaloux. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la base de vie ou est-ce qu'on attaque ce groupe pour faire courir deux choses à la fois? Est-ce qu'il y a du danger ici? Si je vous parle là, tac. Ah, jouer là. Je préfère qu'il sorte. Même si je lui donne un peu de force sur l'extérieur, là, je préfère qu'il sorte et voir les deux en même temps. Ah, j'aurais peut-être dû capturer. Non, c'est pas si fou en fait. Bon, après, j'ai quand même consolidé du coup ces deux pierres, elles sont plus trop. J'ai plus trop besoin de les regarder du coup. On va taper par ici. Petit Boshi, on lui dit viens par là, mais c'est sa zone. Tac tac tac. Alors, comment on fait ça? On va connecter nos pierres tout simplement. Et avec la ligne, en fait, on va pouvoir rentrer dans ça. S'il détruit nos trucs, on peut détruire le sien aussi. Comment on attaque ce gros truc? Peut-être que je dois encore attaquer ça en fait, tout simplement. Mettre la pression sur ce groupe, me renforcer encore un peu, et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça va être dur d'attaquer encore plus. À venir là. Alors, oula. C'est bizarre comme forme ça. Ouais, là, le Kema est bizarre, là, c'est... Bon, je pense pas qu'il y ait 36 000 solutions. En biomie, par contre, il faut que je fasse attention. Ok, et après, il vient là. Donc, ouais, bon. Je pense que ça, c'est pas mal, déjà. Même ici, là, des coups par là, ça menace pas mal les coupes, tout ça. C'est pas la priorité, mais... Est-ce que j'ai... Ça donne envie, mais est-ce que j'ai le droit d'aller à l'intérieur, là, tout de suite? Parce que s'il m'enferme... Ouais, mais il y a les coupes de partout, c'est... compliqué pour lui. C'est ça. Ok, là, il fait une jolie forme, par contre. On sert pas à grand chose de forcer dedans. Comment on fait ça? Faut que je fasse attention à mon temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec tout ça?
Le saut tout simplement ici, je pense. Menace de se connecter et en même temps de prendre la pierre, peut-être comme ça. Peut-être que j'aurais dû couper, je sais pas, parce que là, laisser tout connecté, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Par contre, plus personne n'a de points. C'est bizarre ce truc. Après, quand je fais l'atterri là, tac. Ouais, c'est bizarre là. Ouais, du coup, oui, mais là, c'est pas très secret. Je m'en fous si tu me coupes. Je. Parce que oui, si forcé, en fait, là, il vient là. Je faisais la tarée, tac, et je prenais ses pierres. Et s'il forçait, quand je vais là, quand il coupe, en fait, je prends les pierres. Du coup, il protège en menaçant. On fout un peu de me faire couper ici, là, tout de suite. Donc, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant? Ça, par exemple? Parce que c'est pas vivant, du coup, ça. Et là, comment il fait son truc, je sais pas. Parce que quand il vient là maintenant, Atari ici, il vient là. Et je pousse, donc il peut pas. Je solide du coup. Normalement, je pense qu'il vit, hein. Ouais, il faut pas qu'il fasse de bêtises tout simplement, quoi. Et moi, faut pas que j'en fasse non plus. Ça peut être cool. Ouais, il vit large. Nous aussi, c'est cool si on vit. On va connecter, c'est un peu moche. J'ai peut-être une meilleure suite, mais bon. Après, ça, c'est attaquable toujours. Au moins, c'est connecté. Déjà, ça, c'est important. S'il prend cette pierre, c'est gros, mais est-ce que c'est pas attaquable ça? En plus, c'est goté s'il prend la pierre, donc. Ouais. Oui. Ah merde, ça le. C'est mauvais, ça le laisse descendre. Ouais, c'est pas très bon de ma part. Oh, juste sacrifié, oui, voilà, c'est ce que je me dis en fait. Pourquoi je protège alors que je m'en fous des deux pierres? J'ai cette logique d'un côté et je l'ai pas de l'autre. C'est. Enfin, je l'ai eu à retardement, on va dire, quoi. Alors, est-ce qu'il y a de la vie par là? Ce qu'il y a, c'est que ça, c'est pas un œil. Ça, c'est goûté. C'est chaud hein, pour lui. Hein. J'ai l'impression que c'est mort. C'était vachement gourmand, là, le R19. Bon, on va juste l'empêcher de sortir. Est-ce qu'il y a une suite d'Atari qui me fait chier ici? De ce côté, ça a l'air d'aller. De toute façon, je vais juste faire ça en fait. S'il coupe là, je peux même sortir en angle vide, c'est dégueulasse, mais je sors et voilà. Pas besoin de jouer compliqué. Bon, allez. Alors là, c'est bizarre ça. Je joue G19, c'est pas un œil quoi. Et ici, si je joue là,
y a ça qui fait que ça ce n'est pas un œil ou ça qui fait que ça c'est pas un œil. Donc on a la. Est-ce qu'il est pas mort goûté? S'il joue là, ça sera qu'un œil. Oui, bon, je pense qu'il vient de le voir, ouais, je crois qu'il est mort goûté. Le café ou pas le café? Bon, allez, encore une. Et après le café. Ah, c'est bon, je les ai toutes gagnées pour l'instant, sauf celle que j'étais en train de gagner et que j'ai perdu par le temps. C'est con. Je suis noir, je suis noir. Par contre, à chaque fois qu'ils perdent une partie, ils redemandent direct de rejouer. C'est... Ils aiment pas. Alors que la dernière session où j'avais tout perdu quasiment, non, ils ont gagné, ils cassent. C'est... Bon, allez, on va le faire un peu différent. On est comment là? Hop. Il nous faut 9 victoires pour passer 4 down, 6 défaites pour descendre. Ok. Maintenant que je suis là, tu vas t'effondrer sous la pression. C'est possible. Ah, il a fait ça tellement de fois. C'est possible. Est-ce que je prends les deux? En vrai, il a pas du tout aimé ça tout à l'heure. On va revoir comment il. Il a tenté deux scénarios différents. Les deux sont pas bien passés. Je vois pourquoi il fait pas le Joseki de base. C'est pour doublonner. Ah, il va refaire le même que tout à l'heure. Il trouvait que c'était un beau résultat. Off. Hein. Ah, c'est pas fou, quoi. Est-ce que j'ai le droit de faire le année tout de suite? Bon, allez, c'est cinquième ligne. Man, ça laisse quand même des... Je peux encore rentrer, en fait. C'est bizarre. Rien que ça, c'est chiant. Bon, après, lui aussi, il peut rentrer, mais bon. Moi, j'ai rien demandé. Je suis son jeu. Ok. Bah on va se développer aussi. Allez, viens. 100% il vient. Marrant, ça ressemble. Bah oui, c'est... Il a vu que ça marchait pas, il refait la même. C'est bizarre, en fait. Après, j'avais pas... Moi, mes coups étaient pas comme ça, de l'autre côté. C'était un Oshi et un Komoku, et j'avais approché ici, plutôt, que faire mon Shimari. Donc c'est un peu différent, mais ouais, ça c'est la même chose, c'est clair. On s'était arrêté à ça. Il avait fait son coup, et après il avait joué ailleurs, il avait pas continué. Peut-être pas trop proche. À venir là. Ça dit, si, j'aurais pu aller proche en fait, peut-être. Je veux dire. Bon, ok. Si je monte, il monte, il fait ses belles formes. On va jouer ça, je pense. Et on va le faire chier un peu. Ok. Est-ce qu'on fait un Kema? Ça menace le double ou triple Kema là. C'est pas si mal, je pense. Prendre un peu d'avance. Tac. Est-ce qu'on a le droit de faire le Hané ici? Il fait Hané au-dessus. Et du coup, on recule. Et. Ça attaque pas vraiment. Bon, ça va, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que ça passe. Ok, ça fait une jolie forme, je suis content. Ça fait quelques points, n'empêche, ici. Le année était pas bon. Ouais, là, ça, la forme est bonne aussi pour lui, en fait, ouais.
Ah, ok, ouais, je vois. J'ai pas encore ce réflexe tout à l'heure, je regardais une séquence et ça marchait pas pour le coup, mais j'ai pas le réflexe de regarder à chaque fois ces coupes qui peuvent, en sacrifiant une pierre, faire la bonne séquence. Et... On va faire ça. Renforcer un peu, en fait, il va vivre, hein, mais on commence à avoir un truc un peu effrayant quand même. Bizarre ça. Si on joue là. Next. On joue là. Y a rien par ici. Bon, au pire, c'est pas trop grave, hein. On va. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme coup ici pour consolider tout ça? Pas un coup un peu bizarre, un peu loufoque. Parce que si je... Ou alors jouer par là, tout simplement. L'invite à venir, et de toute façon, il y a quelque chose qui va se construire naturellement. Parce que de toute façon, rajouter un coup par là, il y a sûrement quelque chose à faire en rentrant dans l'art. Donc, même aller voir son coin, j'imagine. Bon, on va faire ça. Peut-être que j'aurais dû même aller à la quatrième ligne, et s'il me faisait le jeu des quilles, j'étais content de rajouter ma pierre en J4 derrière. Bon, bah, il me propose de faire un truc similaire. C'est cool. Allez, on attaque sa pierre. Ok. Bon, c'est cool d'enfermer. C'est plutôt pas mal. Je vais finir santé, je pense. Tac. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? On va couper, on va écraser direct, ok. Peut-être rajouter un coup comme ça. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'on est plutôt bien dans la partie là, pour l'instant. Tac, coupe. Oh, de toute façon, c'est pas agréable. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est vachement loin son extension. Après, il fait quand même des trucs ouais agréables, donc je sais pas. Je sais pas comment approcher ce truc. Je pense pas que je sois beaucoup au-dessus de niveau des 3 Dan. Je pense que je suis 4 Dan, peut-être Fox du coup. Je pense qu'un niveau au-dessus, ouais, ce serait Even du coup. Je sais pas de quel côté envahir. Et surtout, si je perds encore une période, ça me ferait chier.
C'est pas fou. Je pense que je peux aller là. On continue, hein? On va pas refuser. Je sens que je vais faire une connerie. Ouais, c'est pas fou ce que je fais. C'est vraiment pas fou. Qu'il y a pas mal de trucs ici et après la séquence en jouant E8. Ok, il s'en bat les couilles. Tac, tac, tac. Pas fou la séquence que j'ai faite. Ah, je sais pas, je fais la merde. J'avais pas besoin d'envahir. Pourquoi je t'écoute? J'étais en avance. Tic, tic, tic. En vrai, c'est déjà cool. Hein. C'est déjà cool de prendre ça. Et s'il rajoute pas coup ici, j'ai quand même mon E8. Ouais. Je sais pas. Bon, on va défendre notre territoire, j'imagine. Il détruit tout ça. Ouais, c'est ça qui m'étonne. Il veut aucun des deux. Je comprends pas. Mais en même temps, si je le sauve maintenant, c'est chiant. Des trucs comme ça. Je sais pas. Je sais jamais. Ouais, il y a quand même des petits trucs. Tac, tac. On va protéger. On va protéger. C'est un peu lent. C'est carrément lent, même. Mais bon, on est en avance. On n'a pas besoin de jouer trop haché. Il aura ça du coup. Si je joue là, il a ça, je joue là. Yako. Ça alors, ça guérit. Ça le fait bien chier, je pense. Ok, alors. On va venir là. Et tac, s'il monte, tac, il monte, je viens là. S'il coupe, on connecte. S'il coupe ici, on connecte. Il vient là. Mais c'est un peu risqué quand même. Ok. Si je viens là, il connecte, je recule. S'il vient là. Ah.
On va venir là. Je suis un peu grand, peut-être. Je suis carrément gourmand. Ouais. On pousse ici. Mais sur quoi la musique là? C'est toujours de... On va changer un peu. Qu'est-ce qu'on va mettre? Hop. On va mettre ça déjà là. Celle-ci. Hop là. Tac. On recule ici. On est peut-être un peu bourrin. Ça part en bordel, hein, par contre. Ah bah c'est pas trop tôt. Enfin, il avait utilisé 5 minutes jusque-là. On va jouer ici. S'il joue là, on joue là. S'il joue ici, tac, Atari, tac. Ouais. Ça va être dur quand même pour lui. Oui. Oh, il voulait pas perdre sa période, je pense, tout simplement. Ok, c'est goûté, je pense. Parce qu'il y a la séquence où je peux capturer ses pierres. J'ai le droit de faire ça, non? Bon, on va pas faire de conneries. Et il a un manque de liberté quand même. Tac. Bon, on va faire ça. On va continuer comme ça. On peut pas avoir cette coupe et ça en même temps. Oui. Donc s'il coupe ici, en fait, c'est vivant avec ça. Même s'il coupe ici, en fait, on va jouer solide. Hein. On va pas faire de bêtises. S'il coupe ici, il y a ça. Il met Atari, on vient là. Il capture, on vient là. Il push, on a ça. Tac, tac. Plein de trucs, en fait. Il y a plein de trucs qui peuvent s'enchaîner d'un coup. Là. Donc il protège ça. On va protéger ici, je pense. Quoique... Il y a pas mal de liberté, 1, 2, 3, 4... Ouais. Je sais pas. Parce que ici il y a quand même des petits problèmes, peut-être. Bon, après, je pense que je gagne le semaille. Pas dit. Le problème, c'est que quand il pousse ici... Ah, je suis obligé, hein. Ça semble risqué, quand même. Plus de liberté de ce côté que ça. Pas trop dur à compter. Et du coup, il vient là. Ok. Ah, j'aurais poussé ici d'abord, je pense. Tac, tac, tac. Il vient là, Atari.
Ah, j'ai le droit de faire ça, du coup. J'ai le droit de faire ça. Atari, tac, tac, tac. Il va manquer liberté, j'ai trop liberté, je pense, ici. Ça s'enchaîne rapidement, en fait. Il pourra pas pousser. Ici, il y a toute une série qui s'enchaîne. En plus, j'ai un œil. C'est original. Ah, c'est hors de propos là, du coup. On va couper, je pense. On va couper. Ça me dérange pas qu'il sorte un peu. Il connecte. On va ici. Ouais. Ok. Non. Non, non, pas tout de suite. Hop. Je vais mettre l'autre scène. Hop. On va. Je vais juste aller me faire un café. On fait une petite pause du coup, 2 secondes. Ouais, je vais me faire mon petit café. Merci encore Chronométrique tout à l'heure pour le follow du coup. Il y a 40 minutes, j'avais dit merci, je crois, oui. Et je vous dis à dans 5 minutes. Je vous laisse avec la musique, tranquille. Hop, à tout de suite.
Re. Hop. Alors. Tac. Qu'est-ce qui se passe comme musique là? C'était d'ailleurs Threads. Bon, c'est cool. Je vais mettre. Non, je vais peut-être pas mettre de musique bretonne. Vas-y. On va mettre ça. Pas mal. Voilà. Et on va chercher une autre volume musique. Hop. Alors. On est noir. On y va. On va approcher cette fois, on va faire différent. Même si je pense qu'en vrai, quand t'as deux Komoku, faire un petit Shimari, c'est toujours cool. Il vient faire une pince, on va là. Est-ce qu'on l'ignore? Oh merde, pardon, oui. Je mets pas la scène, désolé, ouais. Juste au cas où. Salut, Washap, d'ailleurs. Ouais, désolé. Je suis trop dans mon... dans ma bulle. Et anyway, sorry. Ça va, Washap? J'ai envie de Tenuki, ce truc. On va venir là pour voir. Hop. Et quand il saute, on va là. Hop. Peut-être sélectionner plutôt laquelle. Oh non, sympa. Hop, je vais mettre ça plutôt. Non. Hop, hop. Voilà, celle-là. Qu'est-ce qui se passerait ici? Si je prends soit il s'installe là, soit il me fait l'avalanche. Bon allez, on va le prendre. On devrait mettre une règle en place. Dès que quelqu'un dit bonjour, tu laisses le prochain coup à jouer. Ouf. Bon, heureusement, c'est pas trop souvent, mais... Ouf. J'ai pas envie de laisser Goshi jouer. Il va s'amuser à dire bonjour là, tous les deux secondes. Ah, il veut pouvoir être flexible. Je joue là, il va venir en... Bon, j'ai rien dit. D'ailleurs, la petite coordonnée, ça peut être bien. Hop. On préfère quand même. D'ailleurs, non. Ça, c'est cool. Hop. Alors, pom pom pom. Donc il fait l'ancien Joseki en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant? Il a pris quand même un peu d'influence par là, donc maintenant c'est peut-être intéressant de revenir par là. Hop. On va sauter. Et on va prendre notre café aussi, c'est cool ça. Alors, le mec qui arrive sur le stream maintenant et qui entend ça, il dit bon. Ok. On va le pincer. Hop, comme ça. J'aurais peut-être dû pousser une fois. Non, j'aurais dû pousser une fois, je pense. Ouais. Bon, j'ai la possibilité encore, mais c'était sûrement une erreur. On va faire le petit Bushi. Ok. Ah non, je pense pas que ce soit Joseki. Je connais pas bien les Joseki de pinceau, tout ça. Oh, je pense que je fais des erreurs là. je pense que je fais des erreurs. Ça semble bizarre hein, mon truc. Ça semble bizarre. Ce qu'il y a, c'est qu'il a les timings ici pour rajouter un coup, c'est pas fou.
C'est pas fou pour noir. Ouais. Ouais, c'est pas dingue. Bon, moi je suis connecté ici. C'est pas fou son coup. Bon, il me redonne le synthé, c'est sympa. K17. Ouais, pour aller, oui. Je voyais un truc par là, oui. Je me... Presque envie de jouer ultra solide en jouant un K16 là. Pour menacer bien d'entrer dedans. Pourquoi j'ai... En fait, si j'ai envie de le jouer, je joue le, hein, même si c'est pas... Même si c'est pas le meilleur coup, si j'ai envie de le jouer. Ah oui, on ignore. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va faire ça. Ça se joue? De Tenuki ou de faire K16? Ouais, je vais changer de musique là, il y en a qui vont se dire oh, c'est quoi ça? Je vais juste mettre celle-là et après je changerai de style. Tac tac tac. De jouer 37. Ok, ouais. Bah, j'ai déjà vu quelque part ouais, le truc pour menacer. Ça vient pas de ouais, nulle part non plus, je pense. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu jouer par contre. Est-ce que j'attaque vers le haut? Parce que de toute façon, je fais quatrième ligne et je m'en fous un peu de perdre le territoire. Ou est-ce que j'attaque sévèrement? Je me dis, attaquer sévèrement, ça peut être pas mal, parce qu'il y a autre chose à attaquer derrière. Il y a toujours un pip ici à faire. Ouais. Allez. Ah, c'est ça, moi je me disais aussi, ça protège facilement les faiblesses et tout. Donc, de toute façon, un coup qui a deux utilités, on m'a dit qu'en général, c'était très bien. Ok, il essaye de jouer un peu avec tous ces trucs. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il vient là, c'est... Je fais ça. Ouais. Déjà? Oh là là. Il a utilisé 2 minutes, tu vois. Il joue vite, hein, putain. Bon, allez. Toby. Toby vers le centre. Alors, il saute, on sépare? Est-ce qu'on saute ici plutôt? On va le guider vers ça, et s'il ressaute, quand on sépare, il fait ça, c'est pas agréable. J'ai pas envie de me laisser enfermer. Et en même temps, si je saute ici, il vient là, mais c'est dur d'attaquer après. Non, je préfère séparer quand même. Et séparer tout en ne me faisant pas enfermer, c'est quand même plus agréable. En plus, quand il vient là, ça combine bien les gueules de tir, tout ça. Ok, continue à mettre de la pression. Attaquer un peu plus virulemment. Voilà pourquoi ton idée tout à l'heure, Supernova, c'était pas bon de laisser quelqu'un jouer à chaque fois. Il y a Goshi dans le chat. Je recule. On connecte, on connecte. Et on fait année. On essaie de mettre la pression sur ce groupe encore, même s'il est dur à attaquer. Et de loin, en fait, on pense à ses 4 pierres. Ouh, c'est pas beau la forme. Ouh, c'est dégueulasse. C'est pas beau. Bon, on va connecter nos pierres.
Ouais, bah je perds le timing. C'était pas fou ma séquence, je perds le timing de jouer. Bon bah. On va choper les timings qu'on peut avoir, quoi. Mais c'est pas fou. J'aurais dû faire le coup 60 moi-même. L'empêcher de faire sa forme. Ouais. Je suis un peu trop gentil là du coup. Ouais, je suis trop gentil. Zut, zut, zut. Ouais. Si j'ai pas le 58, ouais, c'est vrai que là, il est content. Ouais. J'ai été trop docile. Bon, on va devoir essayer de séparer ces moches. Hein. Le 63 est moche, il est pas du tout subtil. Je laisse couper un peu facilement, par contre, là, non? Soixante-sept, pas bon, ok. Parce qu'il peut, ouais, oui. Ah! On revient là. Faudra que je revoie ça, du coup, la séquence. Je regarderai vite fait. Oh, je vais changer de musique là. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ok, il connaît avec ses pierres, c'est normal. Est-ce qu'on peut push ici? Il vient là, je repush, ouais, il n'y a pas trop de coups possibles. À moins qu'on vienne par ici, mais il a la pousse là, je viens. On peut venir là. De la musique, de la musique. Hop. Ok. Ah oui, c'est pas mal. Ok. Bon. Ah, c'est pas fou tout ça. Hein. C'est pas fou. Bon, c'est moche. Mais bon, il n'y a pas de yeux. Qu'est-ce que je peux mettre? Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai droit de... venir ici. Un petit Q12 des familles. Q12. Ouais, j'ai hésité. Ouais, c'est... Mais je me dis que c'est pas très bon, forcément. Ici, il y a une suite de coups qui pourrait me faire chier. Ouais, je suis pas satisfait de ma partie. Hein. Ok, il attaque là. Hop. Il vient ici, j'imagine. Hop, pour pouvoir faire maintenant. Ok. Du coup, je viens là. J'ai l'impression de rester bugué sur tous les Kozumi. De rester bugué? Comment ça?
C'est vrai que j'en ai fait beaucoup là par contre. J'ai été très lent dans la partie en fait. Après, le nombre de parties que je me suis fait avoir à être trop agressif et tout, du coup, ça donne plus envie de faire. Alors que si, il faut des fois être agressif. Alors, les Kozumi au centre, on dirait que noir et blanc ont traversé le plateau en Kozumi. C'est pas fou. Ouais. C'est un 4 à la suite. Ici, il y a un œil ou pas? Tac. Je viens là. Ouais, il y a des problèmes quand même. Il faut qu'il fasse deux yeux ici. Mais là, je préférerais régler le problème quand même. Oh bon. Ah ouais, mais il descend là. Là, il a un œil goté. Et si je viens ici, tac, tac, tac. Ah non, imaginons, il veut faire son œil, tac, tac. Ça doit aller, non? En fait, ce qu'il y a, c'est que si j'essayais d'empêcher l'œil en jouant par exemple là. Quand il connecte ici avant, je sais plus comment c'était exactement, mais il y a pas mal de faiblesses avec les Atari, des trucs là, et il prend celle-là, et c'est fini. Ah, c'est dur, hein. En biomimie, c'est dur toujours. Ouais, ça va être chaud, hein, sachant qu'il peut faire un œil ici. À tout moment. Suffit qu'il en ait un là. Est-ce qu'il peut le jouer maintenant? Pas sûr. Ah, peut-être, hein, parce qu'en même temps, il joue L1, je suis obligé de capturer. Et ensuite, il revient. Sauf s'il me laisse des possibilités, parce que l'attaque, s'il fait rien, je coupe. Elle a l'air sympa, hein. Ça change pas ça. Je crois qu'il vient de se suicider un peu, hein. Je crois qu'il est mort. Il doit connecter un moment à un autre, d'une manière ou d'une autre. Je joue là, et là, il n'y a pas de yeux. Mais je pense qu'il pouvait y vivre avant. Ça, au revoir. Ouais. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là que je suis content d'avoir protégé en quelque sorte. En angle vide, c'est un peu dégueu, mais bon, il y a moins de groupes, il y a moins de pierres attaquables. Ici. Ouais, mais quand il coupe là, c'est chiant. Donc je fais ça, il sort. Et si un jour il fait atterrir là, tac, 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 il vient là. Il faut que je protège. Faut protéger ça. Mais non, fallait que je fasse la taille d'abord. Ah, quel couillon, putain. En plus, j'ai fait ça, je me disais, ok, je fais ça, et quand il sort, je peux sortir. Et après, et là, je le fais pas, quoi. Ah, oh, je m'énerve, je m'énerve, c'est incroyable. Ah, fais chier.
Ouais, un peu là, ouais, je pense. Ouais, bah. Ah, oh, je m'en veux. Là, c'est la 7e partie de la journée, là, je crois. Ah, je m'en veux, je m'en veux. Il y a un truc pour pas le faire. Ah, c'est ma dernière période. Je sais pas. Ah là 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 là, c'est compliqué. On va devoir attaquer comme un bourrin. Bah, je suis en train de regarder en fait s'il n'y a pas quelque chose avec les coups par rapport à la coupe et tout. Mais là, je t'avoue, en 30 secondes, j'arrive pas trop à lire. J'ai pas la, je pense pas avoir la même lecture que toi. Tac, tac. Enfin, je suis sûr de pas avoir la même lecture que toi en fait. Je suis obligé de trouver quelque chose. Il va y avoir quelque chose hein, avec tout ça là. Ça semble vachement. En plus, je suis assez solide donc. Là, les deux points par rapport à mon cassette tout à l'heure, j'imagine. Je sais pas si on peut pas protéger les deux, ça et je m'en fous un peu de. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça qui doit y avoir. Ouais, je dois peut-être toujours me dire que par exemple, là tout à l'heure, quand j'ai joué G14, me dire il a pas répondu. Enfin, surtout moi qui n'ai pas répondu à son truc avant, mais bon. Et du coup, comme il n'a pas répondu, j'ai forcément un gain. Parce que ben, c'est un coup qui était joué. Il doit y avoir un truc du genre. Alors. La fatigue, regarde ça. Bon, ça doit être de ça dont tu me parlais. Ah, ça marche pas. I12 avant. Ok, mince. Ah merde, bon bah tant pis. Oh là là, ouais, c'est la merde. Ouais, ça marche pas du tout. Ah. Bon, au moins on peut connecter, mais. Ah. Dégueulasse. Ouais, je joue pas bien. C'est pas les autres parties étaient bien mieux, enfin, pour moi. Il a un sacré bord. Ah, c'est Pierre, putain. Bon, allez, il faut que je me fasse le bord au moins. Et ensuite, ouais, si j'ai des points ici en vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas vu la série? Ah merde. Enfin merde, je m'en fous, hein, mais bon.
Ok. Intéressant. Bon bah une grosse erreur chacun, même si la mienne était plus grosse, on va dire, mais. On va pas refuser. Ouais, je pense que là il est en mode putain. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Tac tac, Atari. On va tourner ici, je pense, déjà. Et en vrai, tac, tac, Atari, tac, il vient ici. Oula, c'est quoi ça? Oh, y'a rien. Ouais. Là, il y a ça, c'est toujours ça de prix. S'y fait. Bon. Je vais pas m'en plaindre. Juste. Hop, je mets juste le dernier coup maintenant. Ah, il se dit je peux tuer ça, mais non, ça c'est capturé. Enfin, j'imagine ce que c'est ce qu'il se dit. On va connecter gentiment. Oui, mais si on veut, on a un deuxième œil ici en fait. Oui, je pense qu'il a vu. Ok, bon, on la gagne, mais compliqué, hein. Très compliqué. Alors, on va regarder ça un peu. Celle-ci, elle mérite. Et bon, ici, là, je ne connais pas bien les Joseki, hein, je vous avoue. Déjà, là, quand il fait une aussi lointaine, je connais ça. Oui, ça ou ça, en fait, les deux, je pense. Mais ça, je dois peut-être pousser une fois d'abord. Avant de faire ça. Parce que quand je viens tout de suite, ça peut être douloureux, ça. Et après, il sort comme il veut. Mais il a gagné le 1. Donc il est content, je pense. Bon, il sort. Ça, c'est douteux. Parce que je fais ça alors que je suis pas au-dessus de lui ici. Je sais pas. Peut-être que je continue une fois et là, ça semble déjà plus correct. Directement? Genre, rien que la coupe. Parce que là, s'il prend ça, on fait ça. Tac, tac. Oh, tac, en fait. Non, c'est un peu moche. Ah, je sais pas. Si, attends. Même rien que ça, peut-être pour faire chier, je sais pas. Peut-être que le contact est mieux, du coup. Non, je sais pas. Je sais pas si je serais assez serein pour jouer ça en fait. Il monte. Ou je suppose que je fais ça.
3 en D14. Ça me trouble parce que c'est pas comme sur KGS. Ça? Ouais, mais là il coupe et il est content, non? Ou alors c'était sur l'autre séquence que tu disais? Et là je suis content de faire ça, tu dis? Ça laisse de la G sur cette pierre et. Ça fait quand même un sacré bloc. C'est even? Ok. Ok. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est la pierre qu'il a rajoutée lui. Ouais. Et moi, je pourrais toujours glisser, peut-être, ou quelque chose, ouais. Et la G, quoi. Ok. Hop. Bref. Ouais, cette séquence était bizarre. Bon, après, voilà, je fais ce que je peux, mais c'est bizarre. Je suis pas sûr que ce soit très bon son coup aussi. Hop, je recule, il vient. Donc ici, je prends ce que je peux. On attaque. Et ici, j'ai peut-être été trop calme. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'un peu plus virulent ici? Sûrement pas le hané en fait. Peut-être maintenant ici en fait. Ça? Celui-ci du coup, ouais. L5. Ah d'accord, ok pardon. Maintenant. Et quand il sort comme ça, il y a ça qui marche, du coup. Avec deux points de coupe. S'il vient ici, je viens là. Ah non, je sais pas. Non. Non, 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 non. Sûrement pas. Je viens comme ça. Non, c'est bizarre. Ok, j'enchaîne direct en fait. Ici. Mais ici, la connexion en haut à droite, elle est assez facile. Bon, pour l'instant, il doit s'occuper de ça, bien sûr, mais. Ou alors, je guide vers ici, et une fois que tout est relié, j'arrive à placer un coup au milieu, et c'est la merde, j'imagine, du coup, c'est ça le problème. Pousser vers là où c'est le problématique. L'idée, oui. Ok. Oui, parce qu'on peut jamais deviner non plus comment ça se passait. Ok. C'est vrai que moi je pensais à pousser aussi peut-être vers là, parce qu'il y a un moment il y avait le pipe comme ça, mais c'est pas. Ouais, c'est peut-être pas fou. Oui, bah oui. Enfin, c'est comme à la partie précédente ou même celle d'avant, ça passe assez vite. Il avait plein de groupes, mais qu'il y avait 2 points, il avait vécu partout, 2 points partout. Bon, ça sert à rien, quoi. Ouais, ok. Ok. Stop. Il y avait quoi comme séquence qu'on voulait re-regarder aussi? Oui, bah là, ici. Hein. Là. Hop. J'aurais dû utiliser le bouton un peu plus rapide. Ici, là. Là, je dois faire ça d'abord et ensuite ça, quoi. J'ai regardé que cette coupe, en fait. On s'en fout un peu, non? Non. Attends. Ah non, ça marchait pas en fait. Parce que si je fais ça, il fait ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Ça? Et là, s'il coupe. Ah bah oui, bah il y a ça. Ouais, ok. Ouais. Trop tard, j'ai vu. Ouais, plus simple, moche, mais plus simple. Ok. Ok. Oui. Et là, c'est fini, quoi. Plus de chances que ça se passe comme ça, et ça menace ça. Qui rajoute un coup, voilà. Et je suis tranquille. Ok. Et là, c'est fini, quoi.
estimateur, il dit 50. Ouais. Et on lui aurait laissé un bord, mais un bord, ça suffit pas. Ouais. Ok, ok. Bon. Hop, on va relancer une petite partie. Tac. Je vais refaire un petit point sur... Alors, maintenant, il manque 7 victoires pour passer 4 dans et 6 défaites pour passer... Ok. On a fait quoi aujourd'hui, d'ailleurs? On a fait 6 victoires et une défaite. Ok. Ok, ok. Je vais faire une dernière et après, ce sera fini, je pense. Yep, n'hésitez pas à follow. Non, je pense que je serai plus là, ouais. En général, je fais 16-19, un truc genre. Un truc genre, mais là dans pas trop longtemps je vais changer mes horaires de stream parce que le lundi bah il y a pas grand monde, le lundi soir c'est compliqué pour les gens et même en plus c'est l'horaire du club de go à Rennes, donc si je veux y aller faut que je change, ça peut être sympathique donc je vais essayer de trouver pour l'été, en tout cas bon, pour l'été jusqu'à fin août, en tout cas, je vais essayer de trouver des horaires un peu plus arrangeants, je vais essayer de voir, il faudrait que je regarde quand est-ce que ça intéresse plus ces personnes ou pas. Enfin, là j'ai 10 personnes, c'est très bien, hein, en général. Mais bon, à voir, et essayer de pas me mettre en même temps que les autres, ceux qui font les streams, en même temps que... Enfin, il faut pas que je fasse en même temps que Crow ou des trucs genre, que ce serait bête, déjà qu'on est... Il n'y a pas beaucoup de FR si on fait en même temps. Je me souviens plus. Et ça doit être dur de streamer. Je vais pas filmer ma partie pendant que je suis en train de jouer au club et je suis devant la personne. Fais comme si c'était pas là. Et je mets ma caméra à côté. Le chieur, quoi. Ouais, je sais pas. Mais par contre, je pourrais noter les kifous ou des trucs genre si on fait des tournois, ouais. À Brest, j'ai vu qu'il y avait Nico qui faisait ça. C'est... J'ai jamais eu la patience de faire ça en vrai, mais... Mais même sur portable, au pire, après, il faut avoir la précision. Faut pas avoir des gros doigts, quoi. Mais ouais, là, il y a le second tour du championnat de France. Tu viens ou pas, d'ailleurs? Là, tu penses... supérieur Mathieu? Ouais, ouais, voilà, moi, je pense... Le 22-23, là, à Rennes, il y a le deuxième tour du championnat de France. Du coup, il y a ben, Blue Supernova et moi, on... On était qualifié d'office pour le club de Brest, du coup. Et on a deux autres, du coup. Bah, Gabouche, qui est souvent sur le chat, qui est qualifié aussi. Et Romain, hein, bah, il est venu une deux fois sur le chat, mais je pense pas que ça vous parle. C'est possible que ce soit dispo? Ok. Il faudra qu'on en discute, ouais. Ok, ok. Bon, allez, je vais lancer une dernière. Du coup, bonne soirée. Et bah, moi, je restream le lundi soir, du coup. Je sais pas si ce sera là ou pas, Supernova. Ouais, à plus tard. Hop. Non, lundi soir. Tac. C'est lundi 20h. Je fais le lundi à 20h, en général de 3h, et je fais le jeudi 16h. Grosso modo, quoi. Ok, ça roule. Bon bah à lundi alors. Bonne fin de semaine. Tac. Ouais, merci. Merci, merci toi aussi. Ah mais c'est fini, j'ai même pas vu, il a abandonné. Elle compte pas celle-là. Ouais non, elle compte pas. Ah, j'attendais, j'étais là, et je regarde le chat du truc. B plus res, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ça m'a pas signalé. Ou alors j'ai pas fait gaffe en regardant la musique. Tac, tac. Non non, elle compte pas, elle compte pas. Hop là. Hop. Si à la fin de cette partie, il faudra que je regarde dans les options si je peux mettre que ça met automatiquement les coordonnées, tout ça, parce que c'est chiant à chaque fois de remettre en fait.
Enfin, ça prend 2 secondes, mais j'oublie la moitié des fois. Ouais. Allez, double chi chacun. Moi, je veux peinard. Point bord centre. On fait quand même le année. Bon, on fait sur la quatrième ligne. Mes points sont bien plus sûrs que les siens. Ok. Retourner ici. Finalement, on fait autant ici que lui-là. Ouh. Un peu loin. Ouais, il est obligé de rajouter un coup du coup. C'est un peu pénible pour lui de rajouter un coup. Encore une fois, là, il y a autant que... voire plus que là. Hein. Et il est jaloux. On pousse vers la force. Oh. On retire la base de vie. Un petit peu. Et on vient là. Les points vont juste se déplacer à un autre endroit, c'est pas grave. Oula, ça c'est gourmand par contre, monsieur. Tu vas pas tout avoir. Hein. Est-ce que le double année, ça donne un Ponuki, c'est chiant. On va pas donner de Ponuki. On va juste dire attention, ce groupe, il est pas vivant. Carrément pas vivant ce groupe. Pas sûr que tu sortes. Très jaloux. Ok. C'est risqué. C'est tellement risqué ce qu'il fait. Coupe, ouais. On fout un de plus. Maintenant, s'il coupe, il y a le guetta, ça va. Du coup, il meurt ici. Hein. On peut même peut-être couper par là. Tac, tac. Non, on va peut-être prendre le coin d'abord. Est-ce que c'est mort au moins? S'il joue là, peut-être des trucs chiants en vrai encore. Ouais. Je sais pas si j'avais besoin de rajouter, mais. Au cas où. C'est chiant, mais... Est-ce que c'est si grave? Je connecte et basta, en fait. Je préfère presque... Non, non, on va peut-être sauter quand même, c'est gros. Ok. On vient ici. On vient là, on protège un peu nos formes. Il recule, ok. On coupe? Ah bah non, mais non, il n'y a rien du tout qui se coupe. C'est un peu débile. Par contre, ici, ça se coupe. Ok, il a eu un peu peur. Bon, tant mieux pour moi, je pense qu'il n'y avait pas grand chose. On va prendre le coin. Allez, maintenant on vient par là. Oh bof la musique. Choisir. Voilà, la bonne musique. Comment on vient à l'intérieur de ce truc? En collant l'adversaire. Ça construit l'adversaire, mais il est déjà fort. Donc on s'en fout. Et nous, on se construit.
Ok. Comment on fait? Si je viens là, il me coupe. Voilà ici. C'est pas mal. On vient ici. On vient ici. Est-ce qu'on a le chiche aussi? Oh, ok. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Juste faire 2 yeux tranquillement. Ou sortir tranquillement, c'est comme il veut. Ça joue un peu vite. Pou. Un jouet là. Bon, on est vivant, mais c'est pas beau. On peut faire ça d'abord. Ça lui pose un peu de problème. On va vivre. Attends, mais c'est pas Lyon. Oh. Aïe aïe. Je fais la merde. Ah merde, je suis mort. Oups, bon bah c'était la partie de trop. Bon, en vrai, j'ai vraiment abusé sur ce coup-là. Tac, tac, il sort. J'ai abusé. Non, y a rien. Y a rien, y a rien. Bon, allez, c'était la dernière. Là, j'ai un peu abusé sur celle-ci. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? À partir de quel moment j'ai un peu abusé? Ce coup était mauvais, ouais, sûrement le 99. Sûrement le coup de forme. Tout simplement, hein. C'est connecté. S'il vient là. Qui essaie de couper, bon. C'est dur pour lui de faire quelque chose en vrai. Même on joue là en fait plutôt. Et là, on est un peu plus tranquille. Je sais pas. Peut-être qu'ici, je dois jouer là. S'il vient là, il y a ça. Atari. Il prend la pierre. Mais du coup, il y a double Atari ici. Donc, pas possible. Donc, il protège. Et je viens là. Ouais, s'il y avait sûrement une séquence comme ça. Et du coup ici il peut pas avancer. Sauf s'il fait l'atterri dans l'autre sens. Non, parce qu'il est encore obligé de couper et j'ai encore des trucs chiants jusque là. Et ensuite je prends la pierre, j'ai un œil par là, j'ai un œil par là.
Donc non, c'est pas possible encore. Donc ouais, sûrement un coup comme 1. On peut faire ça, hein. Ah non, c'est mort. Non. Ça? Non, c'est mort. Donc s'il recule comme ça... Je sais pas. Dur à dire. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ici? Ou peut-être que cette séquence était trop... Je sais pas. Non, bah non, ce champ-là. Donc c'est ce coup qui est mauvais. Faut que je sorte tranquillement. Et je sacrifie ma pierre. Ouais, sûrement un truc comme ça plutôt. J'ai essayé de m'installer trop fortement. Alors qu'il est solide, là il monte. Je dois dire ok, je m'en vais. Tac, et on passe. Et on sacrifie. C'est juste une réduction, donc. Qu'est-ce qu'il dit le bot quand on est là? Il dit. Bon, c'est équilibré. Ah oui, bah oui, mais il dit que blanc est vivant ici, donc non, c'est noir et mieux. Donc ouais, c'est tout à fait viable de faire ça. Juste une réduction pour être sûr qu'il n'y ait pas un gros blob ici, et basta quoi. Ok. Bon bah. C'est comme ça. Allez, on va s'arrêter là. Tac. Oula, la musique là. On va peut-être pas mettre ça. Bon allez, on va s'arrêter là. Je vous dis bonne soirée du coup, bonne fin de soirée à tous. Merci pour le visionnage, merci pour le follow tout à l'heure, Chronometrix. Et à lundi. Allez, bonne soirée.